Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue en hebdo. Je suis tout seul ce soir. Voilà. François Sorel prend un peu le large. Il est, écoutez, je vais tout vous dire, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Il est très loin, il est en Californie. J'espère qu'il nous regarde. Tu nous regardes, François, fais-nous signe sur Twitter si tu nous vois ce soir. On va néanmoins essayer d'assurer tout va se passer comme prévu. Et comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les rubriques habituelles de 01 Live Hebdo en direct sur 01nettv.com. Alors, tout d'abord, l'actu avec Éric Le Bourlou. Dans un instant, on va se pencher et vous allez découvrir, si vous n'avez pas déjà vu, sur ce nouveau drone présenté par Amazon. Ce fameux drone pour les livraisons, Éric va tout nous expliquer. Il est quand même assez étonnant, ce drone. Nous retrouverons bien sûr Delphine Sabatier pour sa chronique Zoom Actu qui va nous raconter comment Mark Zuckerberg, d'une part, a eu un bébé, mais surtout a décidé de céder quasiment 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se cache derrière, elle nous dira tout. Et puis surtout, c'est un 01 Live un petit peu particulier parce qu'en réalité, en guise de séquence labo, eh bien nous retrouvons bien sûr Christopher Siminelli, mais pour une super séquence labo consacrée aux 01net Awards. Vous le savez, depuis maintenant une quinzaine de jours environ, on élit les meilleurs produits high-tech de l'année sur 01net.com. Vous avez voté et Christopher ainsi que tous les spécialistes du labo viendront tout à l'heure nous détailler les résultats. Alors pour connaître les meilleurs produits high-tech de l'année, eh bien restez avec nous, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est pas tout. Dans un instant, encore des petites surprises. Bienvenue dans ce numéro 81 de 01 Live Hebdo. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, vous pouvez interagir, on attend vos questions, vos remarques, vos commentaires en direct, c'est sur Twitter qu'on aime bien vous entendre, sur Twitter, hashtag 01live. Et puis comme d'habitude également, la question 01net Orange. Aujourd'hui, on va parler des drones, alors question, êtes-vous favorable aux livraisons par drone? C'est quand même assez insolite cette histoire-là. Voilà, vous allez sur www.01nettv.com pour nous donner votre avis. Oui, non, vous y croyez ou pas du tout. On fera le point tout à l'heure, peut-être après les explications d'Éric, en saurez-vous un peu plus. Comme chaque semaine, il y a le concours Divacore pour gagner une enceinte audio sans fil Cthulhu 2. Elle est là. Là aussi, si vous êtes un habitué de 01 Live Hebdo, eh bien vous savez comment ça se passe. Même adresse, www.01nettv.com. À gauche de votre écran, il y a, enfin en tout cas si vous êtes sur ordinateur, parce que si vous êtes sur mobile, il suffit de scroller un petit peu, le concours pour gagner cette enceinte Cthulhu 2. Et pour cela, eh bien, il faut suivre 01 Live Hebdo jusqu'au bout, car la question qui vous est posée ce soir trouvera sa réponse en cours de live. Vous saurez tout si vous nous suivez jusqu'à 18h30. Éric Le Bourlou, bonsoir. Bonsoir. Ça va Eric? Ça va, et vous? Ouais, merci d'être avec nous pour essayer de nous expliquer un petit peu cette news, j'ai envie de dire un peu insolite, qui date de cette semaine. Amazon, alors on le sait, Amazon avait des projets, évidemment, de livraison par drone, il l'avait dévoilé je crois en 2013. Il avait déjà dévoilé en 2013, à peu près à la même époque, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi à cette époque-là. Voilà. Mais alors, voilà quand même, on va commencer par une image, regardons-le, ce drone étonnant qui a été dévoilé cette semaine. Si Florian Beaufreton peut nous envoyer l'image, voilà. On va l'apercevoir très vite parce qu'il a un look très particulier. Ouais. Ce serait donc quoi? Un drone de... C'est la nouvelle génération de drone livreur. Bah disons qu'en fait c'est un drone déjà qui est assez spécial, qui est assez étonnant dans son design, puisqu'il est à la fois un quadricoptère, donc il peut monter comme ça à la verticale comme les drones qu'on connaît, les drones grand public. Mais il a aussi après en fait il change de moteur, il a un moteur à l'arrière et après il peut voler comme un avion. Ce qui est en fait c'est un double design qui est assez original. C'est pour ça qu'il a cette forme un peu particulière. Mais effectivement c'est une version qui est très différente de ce qu'avait proposé Amazon il y a 2 ans, puisque en fait il est beaucoup plus grand, il a un rayon d'action plus étendu,
Et il va plus vite. Il va à peu près à une centaine de kilomètres heure. Voilà. C'est encore un projet ou ça y est, c'est en route? Non, c'est un projet. C'est un projet. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est quand même un énorme coup de com' d'Amazon qui, juste avant Noël, nous propose en fait voilà, de nous faire rêver un peu en nous expliquant que demain, dans un futur plus ou moins proche, voilà, Amazon vous livrera directement par drone. Ce que ça montre... L'avantage, c'est ça livre hyper vite, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes livré en une demi-heure, vous commandez, vous êtes livré en une demi-heure. Et en plus, la petite vidéo là, promotionnelle qu'on voit tourner, un scénario assez rigolo. Exactement, et c'est notamment Jeremy Clarkson, un ancien animateur de Top Gear, qui la présente puisqu'il a été embauché par Amazon pour une prochaine série. Ouais. Donc tout ça, c'est aussi un gigantesque coup de com' de la part d'Amazon qui le fait au moment parfait où on commence à faire sa liste de cadeaux de Noël. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un drone comme ça et une livraison par drone, ça va être quand même... Voilà, c'est pas pour demain, parce que ça va être très compliqué à faire, sachant que bah voilà, c'est un rayon d'action d'une vingtaine de kilomètres. Parce qu'un drone, mine de rien, même si c'est Amazon qui le fait, ça a une autonomie très limitée. Donc il faudrait en gros qu'Amazon mette des petits entrepôts, parce que tout ça est automatisé, évidemment, quand le paquet arrive. Le drone n'a pas de pilote, voilà, là on voit d'ailleurs quand le paquet arrive chez vous, vous devez simplement poser sur votre gazon un petit tag Amazon et le drone vient se poser. Bon alors déjà, il ne faudrait pas que votre voisin ait le même et qu'il vous pique votre colis, hein, on peut se poser la question de ce qui pourrait arriver si on a des voisins pas trop cool. Mais ça nécessiterait quand même, d'un point de vue logistique, de transformer complètement. On a un expert sur Zeronet qui nous a répondu à ce sujet. C'est Amélie Charnet qui l'a interviewé cette semaine. Donc à lire sur zeronet.com. Ouais, et là vous découvrirez en fait que c'est très compliqué à faire. D'un point de vue, faire voler un drone comme ça, le faire décoller, prendre un paquet, donc en plus qui n'aura pas, vous ne pourrez pas vous faire livrer un frigo avec un drone. Hein, c'est une charge utile qui est quand même limitée, hein, de là, 2 kg maximum. Dans la promo, c'est une paire de baskets. Hein, oui, voilà, c'est une paire de baskets, oui. Tout à fait. Ça a quand même une portée. Et une charge utile limitée, donc déjà c'est pas pour tous les produits, et puis surtout ce sera pas possible par exemple en plein Paris, vous imaginez pouvoir avoir votre colis et qui passe au-dessus de vos têtes, surtout que a priori ça va être très compliqué d'un point de vue juridique. Donc c'est ouais, mais faut pas casser le rêve. Alors je ne casse pas le rêve, il n'y a pas qu'Amazon dans les zones rurales, etc. Ça pourrait arriver dans les zones rurales, mais là est-ce qu'Amazon va se décider à construire un entrepôt en zone rurale? C'est peut-être moins facile. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'Amazon qui travaille là-dessus. Effectivement, il y a déjà d'ailleurs des drones qui livrent des colis dans des zones un petit peu éloignées, notamment sur des îles. On sait que DHL l'a fait, par exemple. On sait que La Poste aussi travaille dessus. Et c'est vrai qu'on ne va pas casser le rêve. Ça marchera sans doute un jour pour des cas très particuliers. Ouais. Après, ce ne sera sans doute pas, si vous habitez en ville ou si vous habitez dans une zone assez densément peuplée, ce ne sera sans doute pas avec un drone que vous serez livré, malheureusement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon travaille sur des nouveaux designs de drones qu'on ne connaissait pas. Ils innovent de ce point de vue-là. Oui, parce que ça, on n'a jamais vu un truc pareil. Non, c'est vrai, c'est très surprenant. Mais c'est vrai que c'est en tout cas, d'un point de vue technologique, très intéressant. www.zeronettv.com. Ben voici la tendance. La tendance, c'est que oui, vous y êtes plutôt favorable. Donc vous y croyez. Hein. Vous êtes toujours ici. Vous avez des gens qui sont comme moi. Ils sont optimistes, ils y croient. Oui, à 55%. Bon, peut-être un jour. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure à propos du concours d'Ivacore, c'est que donc quand François Sorel est là, il vous offre juste une enceinte. C'est sympa, mais bon, nous, on va faire mieux aujourd'hui parce que vous savez qu'en ce moment, il y a la sortie du film Star Wars qui approche et puis il y a le jeu qui est lui déjà sorti. On avait fait un Zero Live spécial. Et bien, cette semaine, alors là, c'est énorme puisque en plus de l'enceinte, on vous met aussi le jeu Star Wars Battlefront version PC. Hein. Donc je sais que ça vous fera saliver. Pour gagner à la fois l'enceinte et le jeu, une seule adresse, www.01tv.com. Répondez à la question qui vous est posée. Et pour répondre, eh bien, il faut suivre évidemment la suite de ce 01 Live Hebdo. Puisque tout à l'heure, on retrouve Christopher Simonelli et toute l'équipe du labo pour faire le bilan des 01 Net Awards. Mais d'abord, c'est la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme. Merci d'être avec nous, comme tous les jeudis soirs, pour faire un focus sur un fait d'actualité. Et aujourd'hui, cette semaine, vous avez retenu de l'actualité cette news assez insolite. Alors je disais en titre, Mark Zuckerberg, non seulement il a eu un bébé, bravo, on le félicite, mais surtout, il a annoncé publiquement qu'il avait l'intention, à l'occasion de la naissance de son enfant, hein, en réalité, de céder 99... Sa petite fille, elle n'a pas de chance finalement, puisqu'il va céder 99% de ses actions Facebook, non pas à sa fille, mais à une nouvelle fondation. Est-ce que Mark Zuckerberg est en train, comme par exemple Bill Gates, de devenir un nouveau philanthrope ? Tu as raison, hein, Jérôme. On applaudit d'abord les deux mains. Félicitations Mark Zuckerberg pour la naissance et puis à sa femme aussi, hein, Priscilla Chan. Simplement, c'est aussi notre rôle peut-être de préciser deux, trois petites choses sur ce don pour ne pas rester totalement dans l'angélisme. Alors d'abord, il faut noter que Zuckerberg ne cède pas toute sa fortune. Hein. Il a quand même une rémunération, par exemple. Mais parce que s'il lui reste Facebook. 1% d'action, ça va être quand même pas mal. Il détient aujourd'hui 24% de Facebook. Donc il ne donne pas la totalité non plus du contrôle de l'entreprise. Et puis en plus, ses dons, il va le faire progressivement. Mm-hmm. Il a parlé de 1 milliard maximum par an en dollars qu'il ferait don. Donc ses actions, ça va être tout au long de sa vie et de celle de sa compagne qu'elles vont être distribuées à cette organisation. D'accord. Voilà. Ensuite, il garde la main sur cet argent parce qu'il faut savoir qu'il ne fait pas le don non plus à une ONG, à une œuvre caritative qu'on connaîtrait déjà aujourd'hui. Il crée lui-même sa propre organisation dans laquelle il va mettre cet argent. C'est donc la Chan Zuckerberg Initiative. Et elle a une structure un peu particulière aussi, cette organisation. En fait, c'est une entreprise à responsabilité limitée qui permet d'avoir une structure commerciale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'être forcément à but non lucratif. Il peut s'en servir, par exemple, pour faire des acquisitions, pour acheter une start-up. Si celle ah oui, c'est très large, en fait. Hein, comme c'est très large. Alors, oui, c'est le troisième point, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est que la mission de cette organisation est également très large, un peu floue même, je dirais. Si je reprends les deux premières phrases, c'est rassembler des gens du monde entier, promouvoir l'égalité pour les enfants de la prochaine génération. Voilà, ça laisse la place à pas mal de choses, on peut dire. Alors en plus, on sait que Zuckerberg s'intéresse tout particulièrement à essayer de relier le monde entier par Internet, hein, à travers différentes initiatives de Facebook. Oui, c'est ça. Ce qu'on entend, c'est « je veux connecter les gens ». Alors, il a tenu un discours comme ça en septembre, c'était à l'ONU, où il a promis qu'il allait connecter vraiment toutes les populations, toute la planète, d'ici à 5 ans. Comment il va faire ? Alors, il a déjà pas mal d'initiatives en cours, et puis je pense que cette organisation va y œuvrer très clairement. Il y a un projet qu'on connaissait aussi très bien sous le nom d'internet.org, qui a été renommé là récemment en septembre, qui s'appelle maintenant Free Basics. Free Basics, on l'appelle aussi quand on est un peu moins sympa, on l'appelle l'Internet des pauvres. En fait, c'est un service mobile qui donne accès à des applications qu'on estime importantes. Voilà, et c'est un accès totalement gratuit qui est fourni par Free Basics. Dans ces applications absolument jugées importantes par Mark Zuckerberg, il y a notamment Facebook. On s'en doute. Alors, je ne voudrais pas faire que du mauvais esprit. Hein. C'est quand même Zuckerberg, ça reste quand même un patron, un des rares entrepreneurs, un des rares milliardaires aujourd'hui qui fait des dons régulièrement. Là, ce n'est pas le seul geste qu'il a fait. Mm-hmm. Voilà, et des dons qui sont tournés vers les autres. Et puis, je me dis que si ça peut être un modèle pour une nouvelle génération de milliardaires, voilà, de dire maintenant, on pense un peu à ce qu'on fait de notre fortune, ce n'est pas forcément uniquement pour nous. Eh bien, tant mieux. Donc, j'aurais applaudi des deux mains malgré tout ce que j'ai dit. Ben oui. Merci beaucoup Delphine. Puis on voit que c'est finalement un petit peu le destin de ces grandes entreprises high-tech qui évidemment ont atteint des sommets en termes de fortune et de richesse. Oui. Mais il y a une espèce de mouvement. Puis en plus, on imagine que dans la Silicon Valley, il va y avoir presque une concurrence, tu sais, entre les grands patrons. Oui, c'est concurrence dans la philanthropie. Et puis il y a quand même l'idée de conquérir le monde. Chez Google, on pense aussi à l'éternité. Ce qu'on veut, c'est investir dans la santé pour au final devenir éternel. Donc on voit que les ambitions des géants du web sont encore plus gigantesques qu'on ne l'imagine. Mais tout ça, ça va quand même vers la science, vers l'écologie. On a vu aussi Bill Gates qui s'est déplacé qui était à la COP21. À Paris pour la COP21. Et absolument. Qui a réussi à mobiliser pas mal de ses copains, dont Xavier Niel d'ailleurs, qui est le seul Français à y participer, pour mettre de l'argent sur les énergies renouvelables et les entreprises éco-responsables. Merci beaucoup Delphine Sabatier, Zoom Actu chaque semaine dans 01 Live Hebdo. La question 01 Live Orange, à propos des drones, êtes-vous favorable aux livraisons par drone ? Eh bien oui, et toujours dans les mêmes proportions, puisque on est toujours à 55% c'est serré quand même, hein ? Oui, c'est serré, mais bon, c'est quand même visiblement plutôt positif.
Voilà, je vous l'ai dit, 01 Live Hebdo, un petit peu spécial ce soir. On va s'étendre et on va faire le point sur ces fameux 01 Net Awards. C'est tout de suite dans 01 Live Hebdo. Bonsoir Christopher Siminelli. Salut Jérôme. Merci d'être avec nous. Bon, je le répète, François n'est pas là, on est un peu triste, mais on essaye malgré tout de tenir la barre. Ouais, on essaye de le remplacer. Ouais. Alors il faut faire le point sur ces 01 Net Awards. Oui. On en parlait, si je ne m'abuse, c'était il y a une quinzaine de jours, voilà, il y a deux semaines. Et là, ça y est, on arrive au bout de cette course. Ouais. Donc je rappelle, c'est un énorme événement pour 01net chaque année, les produits de l'année, les awards 01net.com. Comment on a fait cette sélection? On est parti des 100 meilleurs produits de l'année, les 10 meilleurs dans 10 catégories. On ne les a pas sortis ces produits au doigt levé. C'est une sélection issue des comparatifs permanents de 01net.com, donc qui repose sur des vrais critères, objectifs, voilà, des vraies mesures, etc. Donc à partir de ces 100 produits dans 10 catégories, on a invité les lecteurs de 01net à voter pour le meilleur de chaque catégorie, et c'est ce qu'on va révéler ce soir. Exactement. Donc, 10 produits de l'année. Voilà, donc on a 10 produits à vous révéler. Alors on va y aller par un peu par catégorie, puis en plus Christopher est venu avec tout son orchestre, avec toute sa bande, avec tous les spécialistes du labo. Une partie en tout cas, effectivement, pour détailler tous ces résultats. On commence par quoi? Par les enceintes. Justement, on profite de la présence de Pépé, hein, notre spécialiste. Il est là, Pépé Garcia. Voilà. Comment ça va? Bonsoir, vous Pépé. Vous n'étiez pas de veste, en fin de compte. Parce que vous êtes tout accepté, beau et tout. Malgré tout. Mais là, je sortais d'un truc transformeur. Je me transformais dans le bureau à côté. Et voilà. C'est vrai qu'il y a deux minutes, il était sous forme de robot. J'étais sous forme de robot, et devant un super téléviseur avec une mire THX dessus. Et j'arrive vous voir en même temps ici. C'est un plaisir d'être là, les garçons. C'est un véritable bonheur. Donc Pépé, l'un de nos experts, notamment audio et télé. Voilà. Donc on attaque par les enceintes. C'est ça, par les enceintes. Ou les téléviseurs, les téléviseurs, mais je suis prêt pour les deux. Allez-y. Ça, du moment que c'est pas des smartphones, allez-y. Allez, on commence par les télés. Il y avait donc 10 modèles en lice. Et le modèle qui a remporté le plus de suffrages, on a pris la moins chère auprès des lecteurs. Et ben, bien entendu. Regardez-moi, on a pris la moins chère. Voilà. Vas-y. Et donc c'est un modèle LG, donc voilà, téléviseur de l'année 2015, LG 55 EG960V. C'est un modèle 4K et surtout OLED, donc Pépé pour. Alors l'OLED incurvé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de bien, Pépé? Non, mais le truc, en 45 secondes. Non, mais c'est déjà, je trouve ça super encourageant que les gens qui nous regardent aient pu dire le téléviseur dont on a envie, c'est un téléviseur qui est incurvé c'est un peu OLED. Bizarre, ouais. Non, c'est un peu bizarre, oui et non. Je pense que les gens ont une petite idée quand même de ce qu'ils ont envie dans les années à venir. Je pense qu'ils ont vraiment envie de quelque chose qui soit peut-être éloigné du LCD. Donc pour moi, l'OLED est une technologie d'avenir. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit l'incurvé qui est. Non, c'est l'OLED. L'incurvé, c'est vraiment l'OLED. C'était comme ouais. ça, parce que l'incurvé, tout le monde ne sait pas à quoi ça sert peut-être. C'est joli, ils pensent que c'est esthétique. Ce n'est pas que esthétique. Mais enfin, l'idée d'avoir l'OLED est pour moi quelque chose qui est très encourageant pour. Rappelons les qualités de l'OLED. Il n'y en a aucune, en fin de compte. Si, alors la qualité principale de l'OLED, c'est que c'est pas cher. Yes. C'est pas cher. C'est vrai qu'il y a deux minutes, juste avant que ce live démarre, il était là en train de baver devant un écran OLED. Ah oui, moi je bave devant, j'y peux rien. Alors les qualités, bon, c'est surtout, comme il n'y a pas de rétroéclairage sur l'OLED, pour moi c'est le ratio de contraste qui est entre guillemets infini. C'est-à-dire que noir c'est noir, comme dirait Johnny, black is black. C'est-à-dire que quand il y a un noir, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est allumé, donc vous avez un noir parfait, ce qu'on appelle une sorte de contraste infini, ce qui veut rien dire. Mais enfin, on considère qu'il n'y a pas besoin de contraste dynamique derrière, contrairement au LCD qui irait être clair, et dans ce cas-là, il faut un contraste dynamique. Colorimétrie, même chose, un gamut très très large. En plus incurvé, c'est génial parce qu'il y a excusez-moi. On va dire une colorimétrie, enfin une échelle de couleurs. Ils peuvent mettre beaucoup sans qu'il y ait de. Sans qu'elle se marche par-dessus et qu'il y en ait plein de différentes dedans. Voilà. Terme plus simple, autant on a eu la 3D, on a eu pas mal de choses, la Full HD, mais moi personnellement je trouve que l'OLED c'est un gap. Ah, c'est le vrai important. Choc du moment. C'est le choc. Franchement, c'est une expérience visuelle assez sympa. Ok, bravo, donc ce LG, 5 ans et son petit nom, 55 EG. Oui, c'est vrai, le prix, combien alors? Faire révéler, je disais. Non, et ce n'est pas cher. C'est 499€ plus un zéro. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est une façon de le dire élégante. Oui, j'ai un petit mal me le payer, vous non plus, mais on rêve. 5000 euros. Deuxième et troisième. Deuxième du classement Sony, troisième, encore un téléviseur LG. On peut enchaîner sur les enceintes. Oui, les petites enceintes sans fil. Donc les enceintes, je pense que les habitués de Internet TV la connaissent bien, parce que c'est la DivaCork Toulouse 2 que vous faites gagner. Elle est là. Elle est là. Elle est à gagner. Elle est à gagner cette semaine encore. J'en profite pour le rappeler si vous nous rejoignez juste maintenant. Restez vraiment à l'écoute parce que là, c'est dans ce qui va se dire la prochaine.
prochainement que vous trouverez sans doute la réponse à la question qui vous est posée sur www.01nettv.com. Donc encore une fois, les lecteurs de 01net ne s'y sont pas trompés. Elle arrivait déjà les premières de notre comparatif permanent parce qu'elle bat des records d'autonomie, même si le son il pourrait être meilleur. Hein, voilà, non, c'est vrai. Mais on dit les choses comme elles sont. Une autonomie juste incroyable. Donc voilà, première enceinte nomade préférée des lecteurs de 01net. Ensuite, en position 2 et 3, nous avons Pépé, tu suis. Ah moi je suis, mais je pense que c'est une JBL, je pense. Si tu as regardé devant ton tour, je pense qu'il y a une JBL dans le tas. Alors pas deuxième Ultimate Ears. Ah c'est la Boom Boom. Voilà. C'est la Boom Boom 2, qui est un produit que j'aime beaucoup. Tu valides? Ah non, je valide. Ouais. Non mais en fin de compte, j'étais en train de faire un peu. T'aurais voté pour celle-là, toi, c'est ça? Sincèrement, j'aurais pris la JBL. L'UE me paraît vachement, enfin l'Ultimate Ears me paraît vachement bien parce que c'est un produit qui est compact, qui est solide. J'aime bien le côté un peu solide du sorte de bousin qu'on peut amener, le gros boudin qu'on peut n'importe où qui supporte en fin de compte, de se retrouver avec les embruns, avec la bouillasse dans le sable. J'aime bien ce truc là. Au milieu des bouteilles, voilà, pendant l'apéro, etc. Il y a deux HP à l'intérieur qui sont assez radiants, c'est assez large, il y a de la puissance. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je fais le pitre avec la Divacore, mais je la connais pas très bien, donc je suis confus vis-à-vis des gens qui nous regardent. En plus je m'occupe du son ici, bah, pas uniquement, et je la connais pas très bien, donc je vais aller me. Ah bah elle s'en est très bien tirée. Mais oui, mais je suis. Différentes tests du labo. Hein. Les premières du comparatif. Ah ouais. Il faut que je l'écoute beaucoup mieux parce que c'est mon problème, je ne l'ai pas assez écouté. Et JBL Flip 3. La Flip 3 qui est un très bon produit. En fin de compte, les gens sont assez logiques parce qu'en fin de compte, après avoir entre guillemets trouvé que cette enceinte était bonne, ils ont la Flip 3 ou la Boom sont enceintes à peu près similaires. Elles sont dans le même spectre de prix, le même spectre de puissance, et même concept. C'est des trucs qui sont donc cylindriques, qui crachent de partout. C'est produit pratique, on pose n'importe où et on a le son dans toute la pièce ou sur la plage ou en bagnole, et ça c'est pratique. Non, les gens, vous avez raison. Vous avez raison. Ah bah non, mais vous avez raison, autant le dire. Vous avez bien voté. Super, merci beaucoup. Merci Pépé. Mais c'est moi qui vous remercie, les garçons, pour ce passage express, pour ce moment de grâce. Allez, on va continuer parce qu'on a évidemment toute une liste de produits à dérouler. Christopher, après les enceintes. On va enchaîner avec les ultra-portables. Allez, les ordi ultra-portables. Le PC n'est pas mort. Et pour cela, c'est Adrien Branco qui nous rejoint. Salut Adrien. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, je suis là par procuration. Pourquoi donc par procuration? Parce que c'est notre responsable des ordinateurs portables, Emeric, qui profite d'un jour de congé bien mérité. Ouais. Et j'assure l'intérim. Mais tu vas le représenter dignement, j'en suis certain. Alors, donc il y avait pas mal d'ultra-portables en lice. Ah bah oui, cette année, il y a eu quand même une foison. Hein. Une grosse année pour les ultra-portables. On va tuer le suspense. Le premier, c'est un Dell XPS 13. C'est vrai que c'est une très très belle machine. Nous, on adore cette machine au labo. Donc encore une fois, on est complètement d'accord avec les lecteurs des 01net. Au-delà de ses atouts techniques, elle a des bordures d'écran hyper fines. Adrien, je pense que tu l'as vu aussi. C'est un Mac PC. Ouais, c'est vraiment un Mac PC. Mais c'est-à-dire qu'en termes de qualité de construction, le soin des matériaux, l'agencement, la durabilité, le choix des composants, vous avez vraiment le niveau de finition d'un Mac dans un PC. Avec deux choix en plus, une dalle Full HD mat pour ceux qui ont besoin de beaucoup plus d'autonomie et surtout qui ne travaillent pas l'image particulièrement. Et il y a surtout cet écran qu'Apple n'a même pas, c'est l'Infinite Edge. C'est-à-dire que vous avez vraiment, mais de bord à bord. Alors, pour la photo, on en parlera plus tard, c'est vraiment c'est génial. Assez impressionnant, Et ça fait plaisir de voir que les constructeurs du monde du PC, à partir du moment où on aligne un peu d'argent, alors combien? Quel prix? J'ai pas envie de savoir. Ça commence à 1200 euros, ça va jusqu'à 1800. Ouais. J'aimerais parler d'une tendance sur ces ultra-portables qu'il faut bien que tout le monde garde à l'esprit. Il y a une tendance forte qui est à l'intégration à la Apple. C'est quelque chose que je cautionne pas du tout, mais sachez bien que les trois machines dont on parle ont la RAM soudée à la carte mère. Fini, je prends un peu moins cher et je mets une upgrade. La RAM soudée. Oui, alors d'un point de vue écologique, c'est beaucoup moins bien parce qu'on ne peut pas mettre à jour. Mais c'est surtout un peu ce que chez Apple, j'ai tendance à appeler ça le racket à l'achat haut de gamme. C'est-à-dire que maintenant, ça suffit. On sait très bien que dans 2-3 ans, les systèmes rament un peu plus. On va rajouter un peu d'argent pour être sûr d'avoir beaucoup de mémoire. Par exemple, le numéro 2, crois, si je ne dis pas de bêtises, numéro 2, commence à 4 gigas. Hein, c'est un... 4 gigas de RAM, le MacBook 12. Le MacBook commence à 4 gigas. De même que le numéro 3, qui est un Asus. C'est le Zenbook UX305. Existe en plusieurs déclinaisons. Super. Rapport qualité-prix, c'est... Là, les lecteurs ne sont pas trompés parce que ça commence à 750 euros. Maintenant, pour 750 euros, on a l'ultra portable qui tient 6 heures d'autonomie, qui a une belle dalle mat, qui a tout ce qu'il faut pour faire des tâches classiques. Et là aussi, on est à un niveau de finition qu'on a vu arriver un peu grâce à Apple qui a
ouvert le bal. Il n'y a pas tellement de surprises en fait hein, dans ces classements. Peut-être dans les smartphones, mais en tout cas, on verra ça dans un présent, instant avec Stéphanie Molinier. On est complètement d'accord avec les votes. On peut enchaîner avec les appareils photo, un domaine que évidemment Adrien. Alors ça, là, il n'y a pas de procuration, bien. Adrien. Ça, non, c'est ton domaine de prédilection. Mais là où je suis, donc, les appareils photo, là où je suis content one. Et triste, alors le number one, il est logique, c'est un Alpha 7, c'est l'Alpha A7 Mark II. Alors il y a un A7S Mark II, un A7R Mark Sony, II. Hein. Ça c'est donc leur modèle entrée de gamme, capteur 24 mégapixels. Il est logique que Sony ait été choisi par beaucoup de lecteurs parce que c'est la marque qui a permis de donner chez les hybrides le capteur plein format qui fait rêver beaucoup de photographes, à tort ou à raison. C'est pas le débat, mais oui, a fait rêver beaucoup. On fera un zéro en live spécial sur beaucoup de personnes ont pu se payer avec les premiers Alpha 7, un capteur plein format comme un réflexe. Et il faut dire que Sony est complètement déchaîné en photo. Ils nous sortent des appareils majeurs tous les 3 mois, réellement. Donc c'est un choix logique. Le choix numéro 2, les gens ont eu raison, et j'en suis désolé pour eux. C'est le Samsung NX1 qui, pour moi, est le meilleur appareil de l'année 2015, fin 2014 et 2015, que vous ne pourrez pas acheter, car il est introuvable en France. Pour quelle raison ? Alors là, c'est vraiment pas le sujet, mais Samsung va a priori arrêter de faire la photo. Il y a des rumeurs de rachat par Nikon, c'est un four complet d'un point de vue marketing, alors que c'est sans doute le plus gros succès technologique de ces deux dernières années. Ils font c'est un appareil qui coûte pas si cher que ça, 1500 balles pour un appareil expert, qui fait de la 4K, Ultra HD, 4K cinéma, 11 images par seconde. Enfin, il fait tout un tas de trucs. Rose, on a vu arriver Samsung, venu de nulle part, avec un appareil magnifique, mais qui ne se vendra pas. On va parler c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses chez Samsung au niveau et photo. Pourtant, ils ont une force de frappe marketing assez incroyable sur d'autres domaines, mais là... Mais vous êtes en train de parler à la grand-mère des nouvelles technologies. La photo est la grand-mère des nouvelles technologies. C'est un marché qui est très lent à bouger, parce qu'il y a énormément d'habitude, il y a de l'image, il y a de l'ergonomie, et puis il y a surtout... Et vraiment l'attachement. Et Samsung n'a pas réussi à créer l'attachement. Et alors, moi, j'aime beaucoup le troisième choix, parce qu'il est aussi dans mon top 10, hein, les lecteurs font leur choix. Mais le Panasonic Lumix G7 est un excellent choix des lecteurs, parce que c'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix technologique qu'on puisse trouver. C'est un boîtier qui n'est pas si cher que ça, 700 ou 800 euros, qui est capable de filmer en 4K, qui fait des rafales à 30 images par seconde, qui offre un potentiel, un nombre d'outils dans la main d'utilisateur qui est tout bonnement phénoménal. Une vitesse d'autofocus, bon, Pana et Olympus sont les meilleurs dans le domaine. Le parc optique, c'est le plus riche. Il n'est pas cher. Et pour moi, c'est vraiment l'hybride démocratique. J'y connais rien, je veux un truc super en photo, en vidéo. J'ai un budget limité. Et ben, le G7, c'était bon produit. Super. Super. On merci fait juste beaucoup, un petit Adrien. Mot sur les tablettes, peut-être avec Adrien qui peut nous accompagner encore. Le seul produit Apple lauréat de ces awards, c'est l'iPad Mini 4, qui était un peu tombé en désuétude sur les dernières générations. Mais ils reviennent fort avec cet iPad Mini 4 qui est bien équilibré. Hein. Comment ? Je suis un peu d'accord, moi j'ai un iPad Retina, mais un iPad Mini Retina, et le seul truc qui me manque effectivement c'est pour l'authentification. C'est les grandes tablettes, une fois qu'on en a acheté une, on n'en a plus besoin et c'est vraiment un super produit. Donc deuxième, la Surface Pro 3 de Microsoft qui est considérée à la fois comme une tablette et donc qui figure dans deux classements chez nous, tablette et ultra portable. Mm-hmm. Pourquoi pas, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de fans de Microsoft et de Windows. Et une tablette signée Samsung, la Tab S2, c'est vrai que c'est aussi des très très bonnes tablettes sous Android. C'est certainement les meilleures. C'est la S2. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement, moi je trouve que pour le coup. C'est un marché qui est quand même assez morose. Un peu bizarre en ce moment les tablettes. Qui est un peu la traîne. Et il est pas bizarre. Il est la preuve que les constructeurs ont lancé de bons produits. Et quand on a un bon produit, on le garde. Et c'est pour ça qu'il va falloir peut-être changer de renouvellement. Très bien, merci messieurs. Je vous rappelle qu'on est en train de dérouler les résultats des 01net Awards, qui sont donc les résultats de vos votes. Vous avez voté sur le site 01net.com pour élire les meilleurs produits high-tech de l'année. Et Christopher, on va passer à quoi ? On va passer au smartphone avec notre expert, Stéphanie. Voilà, c'est un petit peu la catégorie reine hein, quand même. Les smartphones avec Stéphanie Molinier qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va. Et Stéphanie qui n'a pas chômé cette année, parce que effectivement 2015 a quand même été une année intéressante, chargée, riche. C'est quand lourd les smartphones. Elle n'en peut plus. On est obligé de les séparer en 3 catégories d'ailleurs, parce que sinon, les pas trop chers, les entrées de gamme, les moyens, et puis les très chers, les haut de gamme. 250 à 450, et puis ensuite vraiment les C'est vrai qu'on a appelé cette catégorie low cost, mais on se rend compte que low cost c'est hyper péjoratif pour des appareils qui...
qui franchement ont de moins en moins les caractéristiques d'appareil low cost. Autour de 200 euros, on a des petites bombes maintenant. Voilà. Oui, oui, oui. Et donc, le gagnant, le meilleur smartphone low cost, alors, ou entrée de gamme de l'année 2015. Alors, celui qui est récompensé, c'est pour la marque Alcatel One Touch, et c'est l'Idol 3 au format 5,5 pouces, puisqu'il y avait un petit frère beaucoup plus petit. Très étonnant Alcatel, hein, parce qu'on pensait que c'était une marque tombée un peu en désuétude, ouais. Mais bon, elle a été rachetée par un consortium qui en a fait pas mal de choses très sympas. Ils font des bons produits, souvent réussis d'un point de vue design. Et puis, innovant, avec des petites choses innovantes sympas. Et c'est venu, assez vite, en l'espace d'un an ou deux ans. Ouais, c'est celui qui se retourne, oui, voilà, c'est celui qui est 100% réversible. 100%, c'est-à-dire qu'on peut téléphoner même quand on le tient à l'envers. Non mais c'est oui, parce qu'il y a un micro de chaque côté. Bonne idée. Exactement. C'est une bonne idée. Bonne idée. C'est malin. Voilà, et puis à côté de ça, l'appareil est vraiment super performant pour son prix. Ouais. Parce qu'on a de l'écran Full HD, un très bel écran d'ailleurs. À peine plus de 200 euros, on le trouve entre 200 et 250. En fait, il a été lancé à 249 euros, mais pour le lancement, pendant, je crois, plusieurs mois, Alcatel remboursait 50 euros. Donc on avec le hashtag Stéphanie, c'est ça voilà. Cette offre, elle n'existe plus, mais, non, mais encore grosso aujourd'hui, modo, on le trouve, on le trouve à 220, 229 euros. Un petit mot sur le deuxième et troisième. Oui. Deuxième, ça va encore faire plaisir aux fans de Lumia. C'est le Lumia 640 XL, qui est encore une fois un très bon appareil d'entrée de gamme. Mm-hmm. Et le Wiko Ridge 4G, une sélection entrée de gamme sans Wiko, ça aurait été un peu bizarre. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils sont troisième. Et c'est vraiment le Ridge, c'est celui qui préfigure un peu la nouvelle génération des Wiko qui sont nettement... Ou là on monte en gamme. Ouais voilà. Après. Non, on monte pas en gamme on justement. Pas celui-là, mais après ils ont arrêté la montée en gamme. Ouais. Ils restent dans des smartphones raisonnable. Entre 150 et 200 euros, mais le Ridge, c'était un petit peu, ils sont passés à un stade supérieur. C'est Wiko 2.0, c'est des performances accrues, des écrans aussi, plus sympas, des designs plus sympas, beaucoup plus fins. Mm-hmm. Donc voilà. Très bien. Les milieux de gamme. Les milieux de gamme, c'est les smartphones milieu de gamme. Ouais, donc c'est une petite surprise, une surprise dans le sens où la marque elle existe depuis à peine deux ans en fait. Mm-hmm. Hein, c'est Honor avec le Honor 7. C'est on peut rappeler que c'est une marque qui appartient à Huawei, une marque à part entière, mais qui a été créée en avril 2014 je crois. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et donc c'est quand même incroyable que en si peu de temps cette marque ait réussi à se bâtir une solide réputation. Voilà, le Honor 7, meilleur smartphone milieu de gamme. Quand on dit milieu de gamme, donc on est dans quelle gamme de prix ? Entre 250 et 450 euros. Voilà. Et en l'occurrence, le Honor, c'est un appareil, le prix. Le vrai prix, c'est 350 euros, mais Honor fait, au travers de son nouveau site de vente en ligne, sur lequel on trouve aussi des smartphones Huawei d'ailleurs, fait énormément de promotions. Ouais. Donc il y a sans arrêt des promotions qui permettent de ramener le prix de l'appareil à 300 euros, voire avec moins. Noël qui approche. Ce sont des produits qu'on en trouve que en ligne. C'est un peu la particularité de Honor. Oui, tout à fait. Ouais. C'est peut-être aussi la garantie pas d'un de prix, magasin pour le Honor 7. Et donc c'est deuxième dans cette catégorie, le Galaxy A7, qui est encore une fois un très très bon appareil. Samsung a longtemps eu du mal sur le milieu de gamme, et là avec la gamme la A gamme décliné A. un peu de la des Alpha s'en sort très bien. Et le Xperia M4 Aqua, que voilà, qui c'est une petite surprise quand même de le retrouver là, parce que finalement on le voit pas beaucoup en circulation. Mais nous en fait on l'avait pas au début très bien noté, puis on s'était dit il existe une version vendue dans le commerce en 16 gigas de mémoire interne, donc c'était déjà plus confortable. Il y avait également un emplacement double SIM, puis cet appareil quand même c'est un des rares qui ne soit pas un appareil haut de gamme mais qui soit étanche, et je pense que c'est une caractéristique qui plaît. Vous pouvez lire le test, on a fait des essais assez sympas, si mes souvenirs sont bons, avec le M4 Aqua. À lire sur zeronet.com. Et on en vient tout naturellement... À la catégorie reine, bien sûr, celle de tous les débats endiablés, les smartphones. C'est un peu le prix d'interprétation masculine. Mais qui gagne dans cette catégorie, c'est incroyable. Eh bien, le gagnant, c'est le dernier Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Pardon, t'as réussi. Le plus grand. Je me suis concentré. Hein. Ouais. Bon, il a un nom à coucher dehors. C'est pour ça. Mais c'est la version XXL, version grand format du S6 Edge. Mm-hmm. Même processeur, c'est vrai, très puissant, très performant. Oui. Même capteur photo qui a fait ses preuves, clairement. Donc c'est la version Galaxy Edge, avec S6 et leur déclinaison sont les meilleurs en photo. C'est aujourd'hui, oui, voilà. Super écran. Parmi les meilleurs en photo, vidéo réunis. Écran coupe sur les côtés.
Oui, voilà, c'est la petite touche de design, la touche originale qui fait la différence. Qui fait la et différence. Dans la guéguerre qui oppose Samsung et Apple, donc la communauté Samsung a gagné, mais Apple arrive juste derrière, quand même, deuxième et troisième, c'est deux iPhones. Donc on retrouve l'iPhone 6S en deuxième position et l'iPhone 6S Plus en troisième position. Donc voilà, on va c'est rigolo, présenter c'est tout le monde. C'est dingue. Ouais. On a l'impression que tout cela est finalement assez logique. Hein. Mais c'est vrai que l'haut de gamme est vraiment, vraiment tenu par... par Samsung d'ailleurs, on peut le dire, hein, on a eu plus de 14 000 bulletins, ce qui est quand même significatif. Et la majorité des votes, en tout cas la catégorie qui a eu le plus de suffrages, c'est cette catégorie haut de gamme qui clairement... c'est ce qui intéresse le plus. Voilà. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous pourrez répondre, est-ce que vous vous souvenez des résultats de l'année dernière dans cette catégorie-là? Ils sont encore en ligne. Hein, parce que ce serait amusant. Est-ce qu'on était, dans le duel Samsung-Apple clairement. Sur le haut de gamme, oui. Mais il y a plus de produits Apple, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et d'ailleurs, on peut finir avec la dernière catégorie. Ouais. Il reste une catégorie. Mm-hmm. La catégorie montre, encore une fois, où la guerre Samsung-Apple a fait rage. Eh bien, c'est encore Samsung qui a gagné avec sa Gear S2. Qui clairement est la surprise, je trouve, enfin pour moi de l'année 2015. C'est une montre qui n'est pas sous Android, qui est dans un environnement propriétaire à Samsung qui est Tizen. Et qui est vraiment pas mal, quoi. On était assez Elle est vraiment pas comme les autres. L'environnement est différent, mais il apporte en tout cas ce qu'on peut attendre d'une Apple Watch ou d'une Android Wear. Donc forcément, ça attise un petit peu l'intérêt. Et puis surtout, cet écran, cette bague rotative, qui est vraiment une très bonne idée ergonomique. Et la montre est très fluide. Et on retrouve franchement toutes les fonctions qu'on a sur des montres Android Wear, même l'Apple Watch. Deuxième position, je viens de la citer, Apple Watch. Et la troisième, l'appareil, pas de surprise, la Moto 360, nouvelle génération. Qui déjà l'année dernière, et là je m'en rappelle, c'était la montre connectée de l'année 2014, donc la Moto 360, là dans sa nouvelle version. En tout cas, ces choix montrent clairement qu'il y a une attente en termes de design de la part des utilisateurs. Hein, pas de montre connectée. C'est sûr que le design. On veut du beau. C'est vrai. On veut du beau. Allez, dernière catégorie. Non, mais c'est vrai qu'il reste une catégorie et je l'ai oublié. Et en fait, ça fait deux victoires pour Apple. Oh là là. C'est quoi la catégorie? C'est maison connectée. C'est vrai que c'est une catégorie, j'allais dire fourre-tout, mais c'est péjoratif. Mais voilà, c'est tous les produits, tous les objets du quotidien qu'on utilise essentiellement à la maison. Et c'est pourquoi on a mis l'Apple TV. Ce qu'on appelait la domotique dans le temps. Mais pas que la domotique, le multimédia, ce qu'on peut brancher à une télé. Le home cinéma. Voilà, et donc l'Apple TV arrive première. La nouvelle Apple TV arrive première. Elle est vraiment bien. De cette catégorie. Donc voilà, mea culpa, il y a deux produits Apple et non pas qu'un seul. Bon, ça va, il sauve l'honneur. On retrouve après la caméra de surveillance de Nest, la Nest Cam, et le troisième produit, un produit LG, c'est un aspirateur robot, ça devrait faire plaisir à David Noguera, notre expert maison. Sur la maison connectée, on a des produits vraiment utiles pour la maison. Enfin, très différents les uns des autres aussi. Très différents les uns des autres, mais c'est des produits... Il ne faut pas comparer l'Apple TV avec l'aspirateur. C'est des produits efficaces, ça marche. Non mais là on est vraiment dans on parle des produits préférés des lecteurs. Oui, bien sûr. En tout cas c'est l'aspirateur robot qui est premier du comparatif permanent d'aspirateur robot de 0.net. Donc là aussi, pas de surprise. On est d'accord avec les lecteurs de 0.net. Ouais. Super, voilà, donc on va rappeler une toute dernière fois de quoi nous étions en train de parler. Ce sont les meilleurs produits testés toute cette année par le labo, avec une sélection. Et donc vous, internautes, lecteurs de 0.net.com, vous avez voté pour dire selon vous quels étaient les meilleurs. Merci beaucoup Christophe. Bien sûr, classement en ligne bien sur Zoranet.com. Le détail et puis tous les tests, voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, tous les tests à découvrir sur Zoranet.com. Des bonnes idées pour Noël aussi. Merci Stéphanie, merci Christopher. Merci. Alors on n'a pas tout à fait terminé, on a un petit peu débordé, mais c'est normal parce que c'était pas banal cette séquence Zeronet Awards. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, alors le concours justement pour gagner l'enceinte, mais en plus cette semaine, le jeu Star Wars Battlefront version PC qui vous est offerte avec l'enceinte. C'est tout simple, il suffit d'aller sur 01nettv.com, www.01nettv.com. Sur la gauche de l'écran, vous avez le petit concours pour gagner l'enceinte Toulouse 2. Si vous avez bien écouté ce live, vous connaissez la réponse, donc il suffit de voter et le gagnant sera tiré au sort. Est-ce qu'on a encore une minute? Oh, on a une minute, Christopher, oui.
là, si vous allez sur 01net.com aujourd'hui jusqu'à dimanche, tout de suite, là, maintenant. C'est un jeu concours surprise qu'on a mis en place très rapidement avec OnePlus. On fait gagner 6 places pour aller voir le Star Wars épisode 7 en projection privée à Paris le 17 décembre prochain. Donc vous allez sur 01net.com, vous répondez à la question. Un tirage au sort sera effectué dimanche prochain. Et voilà, vous serez très vite averti jusqu'à dimanche 18h. Jusqu'à dimanche 18h. La question 01 net orange. Êtes-vous favorable aux livraisons par drone? C'était le sujet d'actualité du jour. Voici la tendance. Oui à 55%. Donc vivement les drones, on les attend, même si pour l'instant ça paraît complètement incroyable. Merci à tous, merci d'avoir suivi ce 01 Live Hebdo sans François Sorel. J'ai vu qu'il y avait des tweets tout à l'heure qui demandaient où est François, donc je l'ai dit au début mais je le répète. Il est très loin, allez, il est en Californie François, pour le boulot d'ailleurs, évidemment, c'est pas pour aller bronzer, en plus en cette saison c'est pas terrible. Non. Merci malgré tout de nous avoir suivis comme tous les jeudis soirs. Merci à Florian Beaufreton, Pierre Thiolin et Jérôme Giliberto qui s'occupaient de la réalisation technique. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau 01 Live Hebdo. Comme chaque jeudi soir, 18h-18h30, le débrief de l'actu high-tech. Salut à tous, portez-vous bien.